Goeiedag, ik ben Janine. Ik ben dus 71 jaar. Ik ben al een goed 15 jaar met pensioen. En ik ben dus onderwijzeres geweest. Ik heb 20 jaar met zieke kinderen gewerkt. En dan de laatste 15 jaar, laten we zeggen, in een atelier. Maar gespecialiseerd met kleine kinderen van 1 en 2 jaar, van 6 tot 7 jaar, zo in het 1 en 2e studiejaar. Dus ik heb veel leren lezen, aan buitenlanders ook. Want als er problemen waren op school met een buitenlander, dan nam ik ze tussen de les om Frans te leren. En dat ging toch goed zo. En toen ik met pensioen ben gegaan, dan vond ik dat ik iets moest doen. En ik had een vriendin die kwam hier tekenen. Dus dan ben ik ook gaan tekenen hier op de BKO. En van lieverlee ben ik dan gaan schilderen. En nu doe ik ook keramiek en ik blijf nog tekenen en schilderen. Ik vind het is belangrijk om bezig te zijn, want je wordt ouder. Je hebt soms gezondheidsproblemen. En je kan ook thuis wel iets doen. Je kan lezen, tekenen, schilderen thuis, van alles. Maar het is ook belangrijk om contact te hebben met mensen. Jongere mensen, kinderen, jeugd. Want anders leef je zo in een eigen wereld. Dus ik ben zo goed bezig. En als ik niet naar de BKO kom, zondags, dan ga ik nog naar museums. Ik reis ook veel als het kan. Een weekend of zoiets naar het buitenland, naar Duitsland of naar Frankrijk. Dat zijn mooie museums om naar te kijken. Dat doe ik dan met mijn man. Bonjour, je m'appelle Janine. Je suis donc des cours à la BKO. J'ai dessiné, j'ai peint, je fais de la céramique. J'essaye de m'occuper de l'art. Dans ma vie, je trouve que c'est important, c'est quelque chose que j'aime bien depuis toujours. J'ai toujours bien aimé dessiner, j'ai toujours bien aimé peindre. Mais depuis quelques années, depuis que je suis pensionnée, c'est devenu un attrait plus particulier. Donc ici, j'apprends beaucoup de choses, j'ai contact avec d'autres personnes. Et pour moi, l'art est quand même important parce que ça nous apprend à regarder la nature autour de nous, ça nous apprend à comprendre. À comprendre aussi le passé, parce que l'art est important dans la vie passée. Ce qu'on vit actuellement et ce que l'on a comme bien-être maintenant, ce qu'il y a autour de nous, on dépend quand même beaucoup de tout ce qui a été créé et vécu avant. Donc je pense que c'est important de s'intéresser à l'art. J'aime bien voir les musées, donc autant le contemporain que le classique. Pour l'importance, voilà, des couleurs, des formes. C'est aussi une manière de vivre, c'est aussi une façon de s'adapter à la vie courante, de choisir des choses qui sont jolies, parce qu'il faut essayer de vivre bien, avec une certaine philosophie. Bon, je ne suis pas philosophe, mais j'essaye de vivre avec un environnement qui est propre, qui est gai, qui est harmonieux. Et dans mes relations avec les gens aussi, j'essaye d'être bien, correcte. Voilà, je trouve que l'art apporte quand même tout ça. Dit is een opzoeking in Delft Blauw. Donc cette année-ci, je fais de la céramique. Je suis mon cours principal, c'est la céramique, et je fais des recherches en Delft Bleu. C'est un projet qui est présenté de notre professeur Yves Malflit. Voilà. Dus dat zijn mijn tekeningen. Dan heb ik ook bezig, we moeten met een kooi werken. On doit travailler pour illustrer une cage. J'ai décidé de faire un Pinocchio. Ik heb een Pinocchio gedaan. Want ja, toen mijn zoon klein was, die arts noemde hem Pinocchio. Donc je fais un Pinocchio en souvenir de l'enfance de mon fils. Parce que quand j'allais chez le pédiatre l'appelait Pinocchio. On a dû faire aussi des masques. Donc j'ai travaillé sur les masques mexicains. Alors ça, c'est un travail pour la préparation du Delft Bleu en fait. Et j'ai pris un souvenir de mes parents, la latte de couturière de ma maman et le plantoir de mon père que j'ai fait en céramique et qui vont être peints en Delft Bleu. Dus dat is een herinnering aan mijn moeder, dat is haar lineaal, want zij was naaister en om te snijden en patronen te maken. En dat is een gerief om in de tuin te planten.
van mijn vader. Maar dan ga ik in Delvlauw maken, maar dat is nog niet helemaal gedaan. En dat is voor Mariandaal, dat is een huis voor oude mensen. En we gaan dan een samenwerking maken met allemaal tegels. En iedereen maakt iets, dus ik heb zo'n landschap gemaakt. En dat is een oude molen van Uldenberg. Donc on devait aussi faire un projet pour un home de personnes âgées ici à Overijs. Et chacun devait faire quelque chose qui va être présenté dans le parc d'Overijs. Et moi j'ai décidé de faire le vieux moulin d'Uldenberg. Donc c'est une plaque avec un paysage, la photo du vieux moulin, voilà, en céramique. Et je dessine toujours avant le projet. Alors ça c'est mon Pinocchio qui est terminé. Donc dat is mijn Pinocchio die gedaan is. Die komt dus uit zijn kooi. Donc j'ai fait un Pinocchio qui sort de la cage. Et tout le monde dans le cours présente une cage à quelque chose dedans. Alors ça c'est technique. Attends. Ça c'est mal. Ah, dans une fontaine. Dus on travaille aussi autour de Jérôme Bosch. We werken ook rond Jérôme Bosch. Want vorig jaar zijn we naar het museum geweest van Jérôme Bosch in Holland. En iedereen maakt iets over het schilderij van Jérôme Bosch. En dat zijn dan twee maskers die gedaan zijn. Dat zijn twee maskers die zijn terminés. C'est le jardin des plaisirs en fait de Jérôme Bosch. Voilà, c'est fini.